quelques ébats de trop peut-être, contraception pas très nette, et apparaît sur mon test de bâton. Imaginez mon air con. Le pire c'est que ça ne va pas du tout déplaire à monsieur, car la reproduction pour lui c'est quelque chose de précieux. Moi je ne pense, je vous l'avoue, qu'à ces prochains longs mois où je vais me transformer lentement en je ne sais pas trop quoi. Je suis enceinte. Juste enceinte. J'observe déjà avec regret mon armoire et ses vêtements, qui dans quelques semaines à coup sûr me boudineront complètement. Monsieur lui s'émerveille chaque jour du futur événement. Sûr que c'est pas pour lui les nausées, les kilos, et bien sûr l'accouchement. Et commence les négociations sur le futur prénom et sur la façon d'arranger la chambre de notre futur rejeton. Je suis enceinte. Juste enceinte. J'avoue que j'en rajoute parfois un peu pour qu'on s'occupe de moi. Je fais des caprices, c'est mon nouveau petit jeu. Et côté pieux, je dois dire que c'est pas inintéressant de tester une nouvelle position à cause de mon bide imposant. Les mois passent et mon corps s'alourdit ici et là. Tout ça pour un bébé minuscule, c'est pas juste de prendre du poids comme ça. Je suis enceinte. Juste enceinte. Monsieur me regarde tendrement un peu plus chaque jour. Voit-il en moi la femme qu'il désirait, ou juste une mère au secours? Le sacrifice touche à sa fin, bébé va arriver. Je suis assez curieuse de voir à quoi le petit va ressembler. S'entassent alors les paquets de couches et les nouveaux biberons. Mon sac est prêt, trajet maternité. Bienvenue, petit garçon. Je suis maman. On est parents. On est parents.